In a video game, what you hear is just as important as what you see. So sound plays a major role in fostering a strong sense of immersion. Humankind is our most ambitious title to date, so it was only natural that we also step up in terms of our ambitions for sound design. Dans Humankind, nous avons 11 biomes qui représentent l'ensemble des climats terrestres qui vont du climat polaire au climat désertique. Et ensuite, sur chaque type de terrain, par exemple sur une forêt, on va utiliser ce qu'on appelle la biophonie. Donc la biophonie, c'est un concept qui a été inventé par Bernie Krause, qui est un bioacousticien. Et cette biophonie, en fait, c'est un mélange de sons naturel que la nature crée par elle-même. Pour sonoriser ces différents biomes, nous avons nous-mêmes enregistré des environnements aux différents endroits de la planète, mais nous avons aussi travaillé avec un spécialiste. Alors pour sonoriser le climat tempéré, j'ai utilisé beaucoup de prises de son qui sont autour de moi, hein, voilà, donc notamment la vallée des Eaux Claires en Charente, qui est voilà un endroit vraiment propice à l'enregistrement d'oiseaux dans la forêt, particulièrement le matin et en fin de journée. Tout ça représente des centaines d'heures d'enregistrement qu'il a fallu intégrer dans le jeu. Pour ça, on a développé un système évolutif et dynamique qui s'adapte à ce que voit le joueur. Par exemple, si le joueur décide de se rapprocher du littoral, il va entendre au fur et à mesure le son des vagues se briser et des mouettes se rapprocher. Mais s'il décide aussi de zoomer sur une jungle humide, il va entendre le son de la faune se détailler et se rapprocher elle aussi. Donc on va constituer une ambiance sonore d'abord à partir d'un fond d'air, c'est-à-dire le son du silence. Alors le son du silence, il est particulièrement difficile à enregistrer, puisqu'il faut pas d'avion, pas de présence humaine, pas de voiture, donc on est obligé d'aller dans des endroits très très reculés. Donc ce sont des sons que j'ai été enregistrés principalement en Écosse et également aux États-Unis, au Grand Canyon par exemple, où on va avoir vraiment des sons de vent, très 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 minimaliste, très très peu d'oiseaux, mais tout de même on a une couleur particulière et c'est cette couleur là qui va donner la base du biome sur lequel on va ensuite rajouter différentes couches. De la même manière, nous avons travaillé aussi sur la sonorisation des villes que le joueur va pouvoir construire et étendre au fur et à mesure de ses parties. Pour cela, nous remplaçons les sons de nature et des différents biomes par le son des villes, avec par exemple le son des foules sur les marchés, mais aussi le son des marteaux sur les forges, le son des scieries. Alors dans les événements un petit peu spéciaux au niveau du terrain, on a le Mont Vésuve par exemple, pour avoir ces sons de volcan, j'ai été enregistré en haut du Stromboli et en haut de l'Etna, donc en Sicile, des sons d'explosion de volcan. Donc c'était vraiment un moment incroyable de pouvoir monter en haut du volcan avec les micros et d'enregistrer ces événements qui sont vraiment très très impressionnants. Donc là, on a été enregistré, par exemple à Yellowstone, les sons des geysers pour avoir justement cette authenticité d'avoir les vrais sons qu'on a dans la nature et les intégrer dans le jeu. Humankind is our first historical title. We're learning so much, we're experimenting so much, and every detail of the game aims at immersing you in humankind's journey through history. Again, sound is key in fostering that sense of immersion, and we can't wait to share more with the players.